Ouais, salut les oiseaux. Ben, je fais juste ce petit message pour vous dire en fait qu'il y a eu un gros bug au niveau de la quatrième vidéo. Donc, on passe direct à la cinquième vidéo. Vous inquiétez pas en soi, il y a eu rien d'extraordinaire. J'ai juste clean une zone. Donc, de toute façon, tout sera expliqué, je pense, dans la vidéo. Donc, j'ai essayé de record une fois la quatrième vidéo. Elle avait bugué au bout de 15 ou 20 minutes. Je me suis pas rendu compte, du coup j'ai recommencé une seconde fois et ça avait rebugué, donc je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu l'écran qui est devenu noir. J'ai continué à enregistrer pensant que ça, il y avait toujours le logo pro, comme quoi ça, c'était en train d'enregistrer, mais en fait ça enregistrait pas. Du coup, ben en fait si, ça enregistrait, mais je suis retrouvé en fait, il y a une image qui a bugué pendant 50 minutes quoi. Donc voilà, on passe directement à la cinquième vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. En soi, vous ratez rien sur l'histoire du jeu. C'était juste en fait, comme je l'ai dit, j'ai clean une zone en fait. Donc j'ai fait ça tout le long de la vidéo, j'ai ramassé des fragments, j'ai fait des... Voilà, rien de particulier, de toute façon vous allez le voir tout au long de l'aventure. Donc moi je vous dis à très très bientôt et merci de suivre encore cette aventure avec moi. Allez, peace. Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour ce cinquième épisode sur Infamous Second Son. Voyage rapide, tu veux que j'aille où? Non, 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 je reste ici, je suis bien. On venait de finir de clean toute la zone. Donc, en finissant cette vidéo, je me devais d'améliorer 2-3 compétences que je n'ai pas fait. Et je vais faire de suite. Alors, ça se passe comment? Ça, c'est toujours level 4. Je ne suis que level 3. J'ai la moitié du level 3. Maîtriser un ennemi qui peut se rendre. Qui veut se rendre ou qui tousse. Quoi? D'accord. D'accord. J'avais pas bien compris la phrase. Dommage que le puits de comète, on peut pas l'améliorer. Ah, c'est pas mal ça. D'accord. Donc il faut les envoyer directement sur les ennemis, ok. Ok. C'est parti, mon kiki. Bon, évidemment, c'est pas là, c'est pas grave, on se rend directement. On se rend directement à la quête. Vu que c'est ce qu'on devait faire. Toujours autant un plaisir, hein, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai que c'est toujours autant un plaisir de tourner sur ce jeu. Faudrait que je recharge une chouïa là. Quel bordel quoi, j'ai tout aspiré. Allez, c'est parti pour la quête principale. La mission attirée par la lumière est verrouillée depuis le poste de contrôle mobile du peuple à proximité avant de commencer. Ah, sérieusement, ils m'ont même pas grillé, les cons. Donc il faut aller désactiver le brouilleur qui est là, c'est ça en fait, c'est un brouilleur ce truc. Bon, je cleanerai cette zone plus tard. Là pour le moment, je vais clean celle-là, donc ça s'annonce déjà. Bien bien chaud. Alors je comprends pas où c'est. Oh, ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est peut-être ça. Pas du tout. À part ces antennes relais, je vois pas. Ah si si, c'est ça. Oh. Hey, salut. Mort de rire. Oh, oh, oh.
Et je peux monter sur son truc? Ah non. Oh, ça aurait été grave stylé. J'ai pas trop bien compris. J'ai déjà détruit un. Le second il est là-bas. Je veux pas vous mentir, je suis tellement accro là, je suis tellement accro au jeu là en 2-2 que j'ai recordé 5 épisodes d'affilée là. Tu sais, pour certains ça peut paraître dingue vu que les 5 épisodes quand même ça fait là ça fait 5 heures de jeu, 5 heures et quelques. Mais quand j'aime quelque chose je le fais à fond. Et puis ceux qui sont sur la Noctu depuis un moment, vous me connaissez, vous savez que ça m'est arrivé de faire des let's play entiers en une soirée. Après il y a des gens qui disent ouais mais où est le plaisir si tu joues. Ben écoute, moi j'aime bien des gens comme ça, il y a des gens qui aiment bien. Personne n'aime se faire espionner les gars. J'étais en train de dire ouais, il y a des gens qui aiment bien faire les jeux d'entrée. Moi pour le coup en fait étant une chaîne multigaming, je préfère le faire de cette façon. Même si après en live je peux me remettre au jeu tranquillement et tout. Perso, de l'enchaîner au moins ça me laisse vraiment l'envie et on va dire il y a plus d'engouement envers le jeu. Que si en fait il y a tellement de choses à faire là en ce moment, il y a du MGS, il y a une Famous que je dois faire aussi, que je suis en train de faire actuellement, j'ai Reaper of Soul qui va sortir, il y a le tombeau sous-marin où je me rappelle plus le DLC, le Bioshock qui va sortir aussi, il y a aussi j'attends la trad de The Wolf Among Us, donc vous voyez il y a 5-6 trucs à faire là en l'espace de même pas une semaine ou deux, bien sûr je peux le faire dans un temps, j'ai tout le temps qu'il faut et tout, mais... Voilà, quand les jeux sortent et tout, j'aime bien le faire au moment, comme ça les gens se décident à savoir s'ils vont le prendre ou pas. Du coup, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans les temps, on va dire, entre guillemets. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y avait pas trop d'activité sur la chaîne, je l'ai répété, je l'ai dit, et si vous avez regardé la vidéo FAQ, vous savez de quoi je parle. Donc ouais, j'étais pas mal absent déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortent. Et là-bas, pour le coup, ils sont tous sortis en mars, quoi. Ils sont tous sortis en mars. Du coup, ça pique un peu niveau niveau contenu, quoi. Merde. Quel con. Du coup, de novembre, bon, bien sûr, j'aurais pu faire des trucs à droite à gauche. Il y a plein de jeux que j'aurais pu faire. Du style FIF et tout ça là, le jeu du voleur et tout, mais j'ai pas trop aimé plutôt que faire un let's play où je m'ennuie et que vous voyez que franchement c'est pas trop ça, je préfère rien faire du tout. Et j'ai tellement de trucs aussi avec avec la chaîne Hack'n'Slash à gérer que c'est pas facile à tout gérer, surtout que vous savez que j'ai un petit peu lâché la musique en ce moment, pas trop d'inspiration. Des petits moments comme ça, pas mal de problèmes de santé, mais ça voilà, c'est personnel, même si j'en parle beaucoup quand même. Les personnes qui sont dans les lives sauront de quoi je parle, parce que c'est vrai qu'on parle un peu plus dans les lives et tout ça. Bon, ça veut pas trop augmenter les pouvoirs là, hein. Il est où? Ah d'accord. Ça sert à rien. Je vais le péter comme ça. Pouh, c'est tellement chaud quoi, le truc il bouge dans tous les sens. En soi c'est pas tellement chaud, mais tu fais tellement de trucs en même temps, tu cours, tu sautes, tu fais n'importe quoi que... Qu'est-ce qu'il veut lui? Moi à la base je voulais juste prendre la fumée là, laisse-moi tranquille. Et en plus je suis full quel con.
Et il s'amuse. Bah, amuse-toi, ma gueule. Alors, du coup, on pourra faire enfin cette mission principale ou pas? Ouais, tu peux avancer, non? J'aimerais bien voir du côté de X ce que ça donne. Le let's play, vu que lui fait le côté méchant, du coup toute la population doit le détester. Moi, ils me considèrent tous comme un héros entre guillemets. Du coup, ça doit être rigolo de voir comment ça se passe de son côté aussi. J'aurais pu l'éviter hein, là, sérieux. Je fais vraiment la merde. Et il y a des ennemis là. Elle est où cette coquine? Et elle est lente en plus. Attendez, parce que là je suis complètement à l'ouest. Mais complètement, j'ai l'impression d'être. Attendez. D'accord. Salut. Ça va mieux? Ouais, je profite, ils sont là, donc je les fais, hein, les gars. Je vais pas passer à côté, genre. Surtout plus je l'entends. Comme d'hab. C'est une bonne chose de faite, j'aurais pas le faire tout à l'heure. Drame au centre de sciences du Pacifique aujourd'hui, où un inconnu a escaladé la célèbre. J'ai vu que lui il a l'air assez loin, bon il revient sur ses pas. Et voilà. L'âme au drapeau. Oh là, il a fait ma phrase quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai entendu. Et on pourrait éviter d'utiliser le mot en B. Quoi? Bioterror. Ah, oh, tu sais bien que c'est juste une insulte inventée par le DUP pour que les gens aient peur des porteurs. Écoute, tu l'appelles comme tu veux, mais on va le retrouver. Et il va nous dire gentiment tout ce qu'il sait sur Augustine. Et on drainera ses pouvoirs. Ouais, ça va. Et on drainera ses pouvoirs. Je te dis que ça va le faire. Ok, ils ont trouvé un corps à l'angle de la 5e et Briard. Va te renseigner. Mais promets de ne pas te faire remarquer. Mais casse-toi toi! Mais t'es con ou quoi? Bon allez. J'ai envie de se rendre où nous a dit le grand frère. C'est dommage qu'on n'a pas un triple ou un quadruple dash là. Le truc illimité en l'air quoi. Même plus vous touchez le sol. Bon, ça va absorber du pouvoir, ça fait plaisir. Putain, on dirait que c'est encore une zone.
Ah non, c'est juste des caméras que j'ai pas pété. Bon après, il faudra juste que je prenne les drones quoi. Ils sont ouf. Lol. Écoute Delphine, ce seront des officiers de police sur la scène du crime. Pigé, pas le DUP. Bon, je suis avec toi, mais tu es des flics. Ok, ok, je règle la machine sur immobilisé. Wow, c'est quoi ce truc? C'est énorme. Énorme, énorme. J'ai envie de passer un petit peu. Oui, je peux pas m'empêcher, je suis désolé. Ça, c'était comme sur dans Spider-Man ou tous les jeux où on vous demande d'aller chercher des trucs. C'est parfait, ça. Bon, j'ai fait comme t'as dit. J'ai pas touché à tes potes en bleu. Merci. Je vois pas l'utilité d'avoir des pouvoirs de fumée si je les utilise pas. Ah, et revoilà mon petit frère. Oh, ça pique les yeux, les gars. C'est énorme. Donc, j'ai trouvé la victime. C'est bien l'œuvre d'un porteur. Ça se la pète. Hein. Bon, il faut que tu prennes des photos de la scène de crime et que tu me les envoies. Tout ce qui pourrait nous servir. Ok, je t'envoie la photo, mais je crois qu'il a fermé les yeux. Énorme. Je sais pas s'il faut que je prenne autre part, non? Voilà tes blessures. Je me demande quel pouvoir a fait ça. Boule de feu, laser... Oh! Le regard qui crame la peau. Alors là, j'adorerais absorber le pouvoir du regard qui crame la peau. Delphine, même si le gars qui a fait ça est bien un porteur zéro, on sait pas encore si cette histoire de transfert de pouvoir va marcher. Si ça marche, ma toute première victime sera celui qui a eu l'idée de m'appeler l'homme au drapeau. Delphine, arrête de te prendre la tête avec ça. Énorme. Reg, j'entends les sirènes là. Ouais, je vais vérifier. Bon, le DUP vient de boucler le périmètre. J'ai dit à la police de Seattle de pas s'en mêler. C'est forcément le porteur. Je vais aller voir. Mais ils sont sérieux là? Pourquoi j'arrive pas à monter sur le camion? Putain, les gars! C'est quoi ce bug là? Ça pique par contre, hein. Il y a des petits bugs comme ça sur le jeu des fois. Tu vas tranquille, je crois que tu vas sauter sur le camion. Non, non. Il y a des chances pour que l'endroit soit infesté de soldats du DUP. Sans doute avec l'ordre de tirer à vue. Ah oui, j'aime beaucoup tes encouragements, vraiment. Mais est-ce que t'as des infos sur la raison? Des DUP dans tous les coins. Non, ils veulent vraiment mettre la main sur ce type. C'est leur réputation qui est en jeu. Ouais, et ben la mienne aussi. Quoi, qui c'est qui est là-haut? Et pourquoi je peux rien faire? Eh mec, oh. Je peux rien faire du tout là. What? On aurait dit qu'il m'a paralysé le mec là. Ils m'ont gonflé là. Allez là. Let's rock baby. Ah c'est ça qui fait que je peux pas... Ciao.
Attends, toi j'arrive. T'es les mecs, il se fait des rebords et tout quoi, c'est grave stylé. Ah. C'est le tueur. Non, c'est choper le porteur. Bonne chance avec ça. Ça a déjà éliminé un bon paquet. Faut reconnaître que ce porteur a du style, du genre post-dégueu. Ok, il faut que tu... Laissez-moi deviner, visage et blessure. Si c'est pas trop demandé. Et c'est parti, je t'envoie les blessures. Inutile, j'ai son identité. C'est un dealer, il a un casier long comme le bras. Fouille ses affaires, on saura peut-être pourquoi le sniper l'a choisi. Trouve la cache de drogue du dealer. Mort. Ok. Bordel de quoi? Putain, mais quoi? Delsine, ça va? Ouais, j'ai trouvé le tireur. Je vais le suivre. Sois prudent. Très bon conseil. Oh, ça me plaît. C'est bon, je suis comme vous. Enfin, je suis pareil. Wow. Oh, c'est mon nouveau pouvoir. Hé, minute. Je vais pas te faire de mal. Surtout si je te rattrape pas. Oh, il est trop puissant, mec. Regarde comme il va vite. Non, je veux. Stop. Reviens. Super. Ça fait plaisir. Tu l'as eu? Non, il a filé. Vite, genre super méga vite. Flash porteur. Ouais. Rien à foutre du regard qui crame. C'est ça que je veux. Flash porteur. Hey, y'a un truc marrant, mec. Avant chacun de ses tirs, le gros néon derrière lui faiblissait un peu. C'est sans doute la source de son pouvoir. Retourne au néon et dis-moi ce que tu trouves. Cool. Oh, t'aurais dû voir ce qu'il peut faire. Pareil que des lasers. Ce serait de la balle d'avoir le pouvoir qui te calme en 2-2 plus la fumée quand je serai devant Augustine. Hé, hey, t'excite pas. Il faut d'abord qu'on le retrouve. Ouais, j'avoue. Putain, là, ils m'ont fait kiffer, quoi. J'amasse, vous avez compris, hein, j'amasse, comme ça je sais que je vais avoir grave de pouvoir. Oh putain. Et c'est fat. Franchement, il va super vite en plus le bordel quoi. Dans les poubelles, bah oui, carrément.
Fois je fais des trucs, mec. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Alors voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il fait des actions. Vous savez pas. Genre, au lieu de s'accrocher normalement comme tout le monde sur une échelle, il saute, il fait des bonds à droite, à gauche. Il est chelou, ce mec, il est chelou. Mais je kiffe bien. Ne vous inquiétez pas, on va enchaîner sur la mission, je finis vite ça là. Oh le coup de pied mon gars. Oh. T'as aimé? Juste délivrer eux avant que je casse la zone, voilà. Maintenant je me taille. Laisse-moi respirer tes pots d'échappement mon ami. Et je me taille. Remarque. Voilà. Juste ce qu'il me fallait. Allez, salut. Ok. Bouche d'aération. Eh, ça fait trop plaisir quoi. Du coup, j'ai presque clean toute la zone. Ok. Bon, j'ai 2-3 trucs à récupérer. Ah non, ça va, j'en ai encore pas mal. Donc, où faut que j'aille? Ça, c'est juste là. Après, faut que je clean ça, ça. D'accord, je pense que là, déjà, on va un petit peu continuer. J'espère que ça va nous amener ici. Comme ça, je pourrais clean les zones. On va voir comment ça va se dérouler, l'aventure, là. Et j'aime beaucoup son prénom, Delsin, là. Je trouve que c'est original. Et franchement, le perso, super prenant. Le charisme et tout, je trouve que. Je kiffe. Perso, je kiffe. Encore une fois, ils vont dire ah, mais le mec, il est payé ou quoi pour. Ah, mais sérieux, franchement, très 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 bon jeu. Même la version française, je trouve qu'elle est très très bonne. Oh oh. Je vois des traits violets. On aurait dit qu'il aurait fallu. Il voulait faire un dessin ou. Ok, j'y suis. Et tu peux me dire ce que je cherche exactement? Juste tout ce qui peut nous aider à découvrir qui est le tireur. Alors, en fait, à première vue, je dirais que notre tireur serait plutôt une bonne tireuse. Attends, quoi? Tu devrais voir ça, Reg. C'est le plus joli petit nid sniper qu'on ait jamais vu. Et qu'est-ce que t'entends par là? Je sais pas, c'est juste. Trop meuf. Des babioles de meufs partout, le nom Brent écrit tout joli sur le mur. Et ça sent même super bon. C'est carrément le repère d'assassin le mieux parfumé au monde. Ok, bon, écoute, tu vas juste m'envoyer des photos de tout ce qui pourrait nous aider. Je me demande qui est ce Brent. J'en ai aucune idée. Ok, je comprends pourquoi tu les prends pour des chaussures de femmes. Non mais en plus, elles sont en taille nabo. Ok, donc ça, il y a de très grandes chances que ça appartienne à une femme. C'est dingue. Sérieusement? Un tueur en série qui lit Jane Eyre maintenant? Ouais, Jane Eyre, c'est un l'attrape-cœur pour les filles. Alors? D'autres trucs intéressants. C'est bon, je cherche. Ouais, ça doit faire partie des trucs intéressants. Intéressant, c'est sûr. Tu sais, il y a peu de chance, mais en croisant ça dans la base de données avec le nom Brent, on aura peut-être une piste. Ça tue hein, le dessin comme ça. Tu sais, avec la fumée et les lasers, on pourrait économiser un paquet de thunes sur les décos de Noël. Ouais, c'est ça, faire bon usage de ses pouvoirs. Tu sais, Reg, moi je parlais juste des soutifs. Bon, stop, ok? Sérieusement, maintenant, stop.
Tu sais, je pense que quand je serai en face d'Augustine, je commence le show par la fumée, et bim! Dès qu'elle est sonnée, boum boum! J'envoie les lasers! C'est cool d'avoir un plan. Boum boum! C'est un tueur, la vérité. Hé, j'ai un nom pour la photo. Il s'appelle Brent Walker. Arrêté il y a 2 ans pour possession. Écoute ça. Retrouvé mort 2 mois après dans une ruelle. Cause de la mort, une blessure incisive traversante d'origine inconnue sur le torse. Je t'envoie l'adresse de la ruelle. Ouais, on dirait que notre copine a une dent contre les dealers. On dirait bien, ouais. Oh, c'est quand même bizarre. Si elle tue des dealers, pourquoi est-ce que les infos veulent faire croire qu'elle choisit ses victimes au hasard? Comme si elle allait tuer n'importe qui. Oui, et alors? Bah, j'aurais cru que le DUP voudrait faire savoir que le meurtrier frappe pas au hasard. Si t'es pas un dealer, t'es pas en danger. On va plutôt faire baisser le niveau de panique, non? T'es en train de dire quoi? Que le DUP veut effrayer les gens? Leur boulot est de réguler la panique. Et du coup, c'est moi qui me fais OS, quoi. Ok, le bug. Ah mais vas-y. Eh ouais, mais mon gars, le mec il me tire dessus aussi là. Tu veux que je fasse quoi là? Tu veux que je souris ou quoi? C'est des ouf les mecs. Je me languis de jouer le méchant là, que je tue tout le monde là. Personne ne calcule. Ok. Je pensais l'avoir, non, pas du tout. Ok, ouais. J'arrive à la ruelle. Mais il y a un sacré paquet de gorilles armés. On dirait une rencontre entre dealers. Je déteste te la jouer bon flic, mais le devoir de tout citoyen est de s'interposer quand il est témoin d'un acte criminel. Ah, tu vois bien que tu veux que je tue des gens avec mes pouvoirs, finalement. J'ai jamais dit tuer. Tu les fais danser, tu leur fais un peu peur, et tu détruis leur stock. Delsin, j'ai entendu des tirs. C'est toi qui les as tués? Je voulais juste faire mon devoir de citoyen, mais ils étaient déterminés à faire leur devoir de criminel. C'est bon, je peux les tuer ou je vais avoir un malus? Exécuter une griffe quoi? J'ai pas compris. Tu devrais trop voir ça. Speedy Gonzalez est une graffeuse et elle fait des trucs pas dégueulasses. Ouais, bon, n'oublie pas qu'elle tue des gens, ok? Elle leur fait des trucs bien dégueulasses. Je dois admettre que cette meuf fait un méchant vortex. Brent. Oh tiens, Brent. Elle en a vraiment que pour Brent. Elle a installé un joli petit hôtel. J'en viendrais même à dire que c'est touchant. Bah, touchant. Des fois, tu touches les clôtures électriques. Et c'est le grand moment du clou du spectacle. Ok, elle est sérieusement ravagée. Ok, donc la meuf remonte des plateaux repas, elle s'installe en face de Brent le Néon et elle lui raconte sa petite journée? Tout en faisant la dinette? Tu sais, Olaf a une boutique sur la rue Alaska. Il paraît qu'il a la plus grosse enseigne en néon de toute la ville. Eh, hey, si j'avais des pouvoirs de néon et une maman gâteau, c'est là que je crècherais. C'est parti.
Là, j'ai fait un peu de TBE, lol. Mais non, du coup, j'ai rien à améliorer. De toute façon, j'ai tout là, wesh. Oh. Sauf le drainage de fumée, j'ai tout. D'accord, c'est là qu'il faut aller. Donc, je pense finir la vidéo en nettoyant un petit peu la zone, vu que j'ai rien fait du tout là. Je vais nettoyer un petit peu la zone. Vu qu'on a pas mal avancé, je pense quoi, ouais, on va faire cette zone. Soit que je me fasse casser en deux avant de terminer la vidéo. Je pense qu'on va avoir pour bien 10 minutes, un quart d'heure là. Même plus, s'il faut. Plus intimité. Alors. Introduction. Regardez la télé. Hey, papa, je passe à la télé. Non, non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Tu vois, j'ai détruit les caméras, mais c'est pas moi. Oh, t'es le mec, il a mis du temps avant de tirer quand même, hein. C'est des ouf. What? Oh, il a mis du temps le péter, ça. Where is the camera? Il a battu, ouais, j'ai rien fait, mais c'est pas grave. C'est normal que le mec il me tue de là alors que. Oh non! Putain! Du coup, j'ai gâché mon missile, quoi. C'est ça? Et ouais, du coup j'ai gâché mon truc, putain. Oh. En plus il y a le gros là, oh putain. Un quart d'heure, j'ai un quart d'heure, hein, genre. Ok. Le mec il me voit alors que. S'il vous plaît, en fait, n'oubliez pas attaquer la zone. Je suis passé en. Oh! N'importe quoi le trophée. Headshot. Oh putain, j'ai plus de. Plus de fumée pour le coup là. Ça picouille. Putain. Il a gobé le truc. Non, sérieux? Seriously? Yes. Où est le Golgot là? Cadeau. Pour toi bébé. Pour toi public. Vieux truc de du boss quoi, en plein dans la tête. Ça fait plaisir, hein, à vous.
Ouais, je suis un mec comme ça, moi j'en ai marre d'attendre. J'ai tout fait péter pour rien quoi. Oh! Et les autres, regardez-les. Oups. Ok. Good. C'est bon ça. Merde. What? Comme ça, normal, le truc il arrive, il commence à me défonce quoi. Nous craquer un peu, non? Il fait froid un peu par ici. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit que j'arrive pas à monter level 4 quoi. Ça commence à piquer. Ça va donner des trucs en plus. On dit qu'il est en train de le monter quoi. Où est-il? Ah. C'est presque ça en plus hein. Oh non, fuck. Fuck là-haut. Ils sont où? Ah. Ils en mettront bientôt dans les toilettes si ça continue. Allez. Pratique. On est reparti. C'est à chaque fois le final moi qui va me faire rire, je le sens. Ouais, c'est du n'importe quoi. C'est un ouf le mec, je vous jure. Il est où? On va me payer pour ça. D'accord, il est passé par en dessous. Ok. Où est-il?
Il est où ce truc de... Il est où? D'accord. Je t'ai vu. Désolé. Je t'ai vu mais je t'ai pas eu. J'aurais bien aimé avoir un au vol, je suis sûr que ça fait un trophée quoi. Tu as combien, 53%? Genre c'est, tu veux faire bordel? Eh ben alors, détruis tout! Clean toute la zone! De toute façon, je pense qu'on va se rapprocher un maximum. Ce truc là-bas au fond. On va essayer de faire les 2-3 missions qui sont là-bas. Ok, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Ma gueule, accroche-toi. Tu peux y arriver. Il est là-bas. Même pas trop fait. Il a pété les plombs quoi lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bioterroriste. Oh my fucking god! On va faire d'abord le tag. Non, pas forcément. Oh yeah! C'est un peu du caca là pour le moment. Oh la bombe. Boum. Je sais que ça a rien de coloré là mais bon. Ok, la caméra. Ok. Genre je vais faire l'émission dans un temps record, tu sais. Et éliminer. Alors monte la gueule qui est là. Ah d'accord, je suis resté. S'il vous plaît, monsieur. Moi, je cherche votre collègue. Je crois que c'est le seul pélo qui est tout seul en train de se balader, non? Non. Et je me promène avec mon parapluie, putain, mais il fait beau, je comprends pas. Et c'est pas toi gros chacal là? Pourquoi tu te caches comme ça? Hein? Ok. Où il va? Où il va ce gros? Ah lui il sait pas ce qu'il fait hein. Oups. Oh putain j'ai failli tuer des civils. Je t'ai eu. Et j'ai failli appuyer sur le bouton pour lancer la bombe encore. N'importe quoi.
En fait, il restera que les drones à prendre après. Hein. Je crois que je clean toutes les zones. Ah, il y a quand même 2-3 trucs là encore. Ouais. Pff. Là, il faudra que je fasse cette zone là. Ah, bah, c'est rapide. Ouais, encore un truc. Quand j'irai là-bas, je la ferai. Tranquillou. Ouais, je pense qu'on va faire celle-ci. Et puis on va terminer là. Non. C'est mieux quand. Ouais, t'aurais dû, ouais. Ah, j'ai entendu un bruit de. Oh le con. Ah, un peu dur. Merde, c'était là? Je l'ai même pas vu. Augustine m'a affecté à une unité spéciale ce matin. C'est l'une des pires choses que j'ai jamais eu à faire. Je devais superviser le regroupement des gens testés positifs pour le gène des porteurs. On les a tirés de ces gros enclos de détention jaune qu'on voit partout en ville. J'ai dû sortir une vingtaine de gens de ces cages. Ils cognaient, hurlaient et me suppliaient de les laisser fuir. Une femme m'a demandé où je l'emmenais. Je l'emmenais en lieu sûr, là où personne ne lui ferait de mal et que, quand tout serait fini, elle pourrait rentrer chez elle. J'espère que j'avais raison cette fois. Et je vous dis franchement, il y a de grosses similitudes avec Prototype, il y a pas mal de trucs qui se ressemblent, ces petits messages où vous entendez le mec à chaque fois parler. Il y a pas mal de similitudes, je trouve. Après, je sais pas hein, si je suis dans l'erreur ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, mais. Moi personnellement je trouve que ça se ressemble, il y a pas mal de choses qui se ressemblent déjà même au niveau du gameplay et tout. Hein. Vous imaginez où ils font un prototype 3 là maintenant là. Un prototype. Ouais parce que nous on dit prototype, on dit pas prototype, ok. Ouais je commence à péter un câble, c'est presque 5h du mat là je crois. Il est quelle heure? Ouais il est 5h02 exactement et on va s'arrêter devant la mission. Et puis je pense que je ferai encore cette mission après. Après j'irai dodo tranquillou. En tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur la chaîne. Et merci encore à toutes les personnes qui suivent les aventures sur la Noctu. C'était Parano, je vous dis à très très bientôt. Allez peace.